Prince Harry, ses lettres personnelles envoyées à Charles III avant les obsèques du prince Philippe. Peu de temps avant les funérailles du prince Philippe, le prince Harry a adressé des lettres à son père. Après son interview coup de poing avec Oprah Winfrey, toute communication entre les deux hommes était rompue, les lettres devenant donc le seul moyen pour Harry de contacter le roi. Plus le temps passe et moins les choses s'arrangent entre le prince Harry et le reste de la famille royale. Récemment, nos confrères britanniques de l'Express ont révélé que peu avant le décès du prince Philippe, en 2021, Harry avait adressé à son père, alors prince Charles de Galles, des lettres profondément personnelles. À l'époque, cela faisait environ un an que le prince Harry et sa femme Meghan Markle avaient pris la décision de quitter leur fonction royale et, alors que le duc de accent aigu d'Imbourg se battait contre la mort, Harry et Meghan, eux, participaient à l'émission d'Oprah Winfrey. Une interview Confidence qui avait fait scandale, les deux époux ne se gênant pas pour, par exemple, accuser les Windsor d'être ouvertement racistes. Cet événement avait provoqué une rupture majeure entre le roi Charles III et son fils. Une absence de communication qui avait forcé Harry à écrire des lettres à son père, peu de temps avant de rentrer au pays pour les funérailles du prince Philippe. Une source royale a révélé au Mirror qu'Harry avait envoyé des lettres, car il ne savait pas à quoi s'attendre en rentrant à Londres, c'est pourquoi il a pris contact avec tout le monde avant de les retrouver, ajoutant que le père d'Archie et Lilibet avaient écrit une note très personnelle à son père pour essayer de mettre les choses au clair, mais, les tensions étant toujours vives, les choses ne se sont pas arrangées comme il l'avait espéré. Des relations toujours tendues. Avant son départ de la famille royale, le prince Harry avait promis de toujours respecter l'institution. Une promesse qu'il a rapidement brisée, en exposant ouvertement les raisons de son départ et plus encore. Au moment de la diffusion de l'interview avec Oprah Winfrey, la relation entre Harry et Charles a touché le fond, le père de famille ayant été profondément blessé par les propos tenus par son fils et par le fait qu'il ait lavé leur linge sale en public. Mais de retour à Londres pour les funérailles, la firme n'avait rien laissé transparaître, il y a eu une sorte d'accord tacite entre tout le monde pour laisser de côté leurs différends et simplement offrir tout leur soutien à la reine dans cette période difficile, a expliqué la source au Mirror. Le sentiment qui dominait était que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour revenir sur cette affaire, a-t-elle terminé. Depuis 2021, Harry est revenu plusieurs fois au Royaume-Uni, toujours pour des événements officiels. Le jubilé de platine de la reine, les funérailles d'Elisabeth II ou encore le couronnement de son père. Mais rien de plus. Après son couronnement, le roi Charles III a d'ailleurs définitivement évincé le plus jeune de ses fils du cercle restreint de la famille royale. L'absence d'un père. Dernier affront fait envers sa famille, le 10 janvier dernier, Harry a publié ses mémoires, intitulées Spare, dans lesquelles il n'a pas manqué d'attaquer les membres de la firme. Dès le début, Harry raconte la mort de la princesse Diana et revient sur le fait qu'au moment d'annoncer la tragique nouvelle, Charles ne l'a pas serrée dans ses bras. Le duc de Sussex écrit, « Il a toujours donné l'impression de ne pas être tout à fait prêt pour la parentalité. Même lui, pourtant un homme fier, l'aurait admis. La monoparentalité, pas n'était pas fait pour ça. Il précise tout de même que son père a essayé. Le soir, je criais. Je vais me coucher, papa. Il me répondait toujours joyeusement. J'arrive tout de suite, mon petit chéri. Fidèle à sa parole, quelques minutes plus tard, il s'asseyait sur le bord de mon lit. Tout n'est peut-être pas perdu pour les deux hommes.